fait, j'ai sorti de l'école très jeune. Je suis rentré à la maison travailler. Et puis, toute ma vie a été faite pas de rencontres, mais d'opportunités que j'ai saisies plus ou moins bien au moment qu'elles passaient, pour arriver un petit peu à ce que je suis maintenant. Pour comprendre un petit peu votre histoire, pour comprendre un petit peu comment vous avez eu cette carrière, cette construction aussi de performance, de longévité, on a besoin de revenir sur le passé, de revenir sur les grandes étapes peut-être de votre vie professionnelle, de votre vie sportive. Est-ce que vous pourriez à notre micro retracer rapidement le chemin de votre vie, les différentes étapes qui vous ont mené à faire ces rencontres, à saisir ces opportunités? Donc, commencer les compétitions à 13 ans avec une petite jument qui s'appelait Flirtine. Première année, ça s'est très très mal passé. J'ai dû faire, ma mémoire est bonne, 16 parcours, j'étais 13 fois éliminé. Ah oui. Ouais. Mais, donc, à ce moment-là, j'étais tout seul pour travailler. Mon père, lui, s'occupait plus de son commerce. Et voilà, j'avais une petite jument qui mesurait 1m56. Sautait très très bien, mais qui était un petit peu délicate. Donc l'hiver d'après, j'ai essayé de travailler bien, de me débrouiller. Et l'année d'après, j'ai fait 33 épreuves, j'en ai gagné 22 et je suis 30 fois classé. Donc, puis voilà, après c'est parti de fil en aiguille, les cadets avec cette petite jument là. Après, je suis passé junior, j'ai récupéré une jument qui s'appelait Graine Doria, qui était une super jument, qui était mon frère au début et puis qui m'a relaissé par la suite. Championnat d'Europe à 16 ans. Champion d'Europe avec Philippe Rosier, Posti, Delabo et Jean-Charles Gaillard. Ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur un cheval qui s'appelait le Totsumi, jeune cavalier. J'ai fait les championnats d'Europe jeune cavalier à 7 ans avec le Tau, à Charvia. Nous sommes, médaille de bronze en équipe et je suis quatrième en individuel. Et puis, après je suis arrivé dans le grand bain chez les seniors. Et bon, là c'était une autre affaire. Mais sélectionné pour les Jeux Olympiques, je vous donne les grandes lignes. Hein. Ah oui. Sélectionné pour les Jeux avec le Tau, réserviste. L'entraîneur à ce moment-là a préféré mettre une autre personne que moi parce que j'étais un peu jeune. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de croiser la route de Diamant. Je l'ai eu à l'âge de... On l'a eu bébé, donc j'ai commencé les concours avec lui à 4 ans. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, il m'a amené au niveau. Il m'a amené au niveau pour arriver au titre de champion du monde en 2002. Je passe plusieurs années. J'ai en décembre, je ne me souviens plus de la date parce que j'ai fait un peu une croix dessus. En décembre 2009, j'ai eu un accident de voiture assez grave. J'ai pris une nouvelle direction, je suis resté tétraplégique plusieurs mois. Donc j'ai dû arrêter de monter un cheval. Et je me suis réorienté vers l'élevage, parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. L'élevage et puis la commercialisation de mes chevaux. Et puis, fil en aiguille, j'ai commencé un petit peu à développer mon élevage pour arriver maintenant à un certain nombre de jumeaux qui est intéressant. Pour le moment, ça ne marche pas trop mal. En 1994, donc, vous achetez le Haras de Beaufort et vous vous y installez avec celui qui deviendra votre crack, Diamant Tsemili. Votre carrière sportive, comme vous l'avez dit, prend un vrai tournant à ce moment-là. Après avoir acquis deux titres de champion d'Europe, junior, jeune cavalier, un titre de champion de France senior. En 2002, donc, les championnats du monde, champion du monde par équipe.
champion de France en individuel avec Diamant la même année. Et puis l'année suivante, vous êtes vice-champion d'Europe par équipe. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur cette période où vous avez vraiment touché le très haut niveau? Est-ce que c'était un rêve pour vous? Est-ce que vous aviez rêvé toute votre vie d'atteindre ce niveau-là et de concourir parmi les meilleurs du monde? Rêve, il faut tout. Oui, c'est quand même un rêve. Il faut avoir un rêve pour vivre. Plutôt un objectif que bon, le rêve, faut, comme disait mon père, il faut rêver les yeux ouverts. Donc il faut être lucide que ça viendra du jour au lendemain. J'ai eu la chance d'avoir Diamant qui m'a amené au plus haut dans ce milieu. J'ai été chanceux parce que j'ai croisé beaucoup de bons chevaux dans ma vie. Mais Diamant était vraiment un cheval hors du commun qui, dans tous les sens du terme, que ça soit à monter ou en main, c'était un cheval un peu spécial. On va y revenir. On va en parler. Et je pense que c'est pour ça qu'il a donné une production qui est un petit peu hors norme, parce que c'était un cheval pas comme les autres. J'ai pensé à vous hier, je savais qu'on allait vous enregistrer, en commentant le Grand Prix du 2 étoiles. On aime annoncer la lignée des cavaliers, des chevaux qu'on a en piste, et donc les Diamant, ah ben encore un fils de diamant, un incroyable fils de diamant, une fille de diamant. C'est vrai que c'est une souche phare en tout cas qui fonctionne bien, très performante ici en France. Quand on parle de diamant avec vous, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'interview qu'on a fait avec Eric Navet où Quito avait le rôle central, Quito de Bossy. C'était la rencontre d'Eric Navet, c'était le cheval d'Eric Navet, et de votre côté, l'histoire semble assez similaire. Ça a été vraiment le cheval qui vous a porté, que vous allez garder jusqu'à la fin aussi. Avec lequel vous aviez une relation très particulière, on est obligé d'en parler. Avec Pierre Durand, quand on l'a rencontré, on a beaucoup parlé de Japlou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces chevaux que l'on rencontre dans une vie de cavalier et qui changent la donne? Est-ce que vous pensez que pour devenir cavalier de très haut niveau, il faut à un moment donné faire cette rencontre-là? Obligé de rencontrer des chevaux de ce gabarit, de cette classe, sinon, vous savez, sans les chevaux, nous ne sommes pas grand-chose. Un très bon cavalier avec un cheval normal est un cavalier normal, et un très bon cheval avec un cavalier normal est un très bon cavalier. Donc les deux, mais je pense que la pièce maîtresse, c'est quand même le cheval. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer très jeune, je l'ai formé. Je l'ai eu à 3 ans chez moi, dans mes écuries. Et c'est vrai que c'était un maître exceptionnel. Quoi dire sur lui? Il y a tellement de choses à dire que... Mais on a vraiment le temps. On a tout notre temps pour parler de Diamant Sémini. Une petite anecdote, à 4 ans et à 5 ans, il n'a jamais sauté à la maison. Normalement, les jeunes chevaux, nous sommes obligés de faire des parcours de répétition, d'entraînement. Lui, la première séance, il savait tout faire. Donc, à mon goût, il était trop doué. Et si j'allais le travailler, lui demander des choses, j'avais peur de le brimer, de le lasser. Nous, je ne l'ai pas travaillé. Je le montais la veille des concours pour pouvoir faire le découragement. Pas grave. Mais toute sa carrière de 4 ans et 5 ans, il n'a jamais sauté à la maison. Il a fait que sur sa qualité. Et puis bon, après, on a commencé un petit peu à attaquer les choses sérieuses à 7 et 8 ans. Et pour lui, tout était facile. Certes, il avait un style de devant qui était... Ça fait beaucoup parler les gens parce que, comme on dit, il pendouillait un petit peu. Mais il avait un tel garrot et puis une telle intelligence de la barque. Je ne me suis jamais soucié de sa technique de devant. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que si c'est un cheval qui était sûr de lui, sûr de sa force. Et pour lui, le saut était un exercice très facile, très... Voilà, il était fait pour ça. Et puis... et d'une intelligence rare. Je pense qu'on rencontre dans sa vie... J'ai eu des très bons chevaux, j'ai eu des chevaux très agréables, mais lui, il avait quand même quelque chose de plus.
dans le sérieux, dans l'attitude. Il était hors norme dans tout. Et même un petit peu dans à cheval, c'était un métronome d'un sérieux. J'ai fait avec sa chapelle sans éperon, sans cravache. Voilà, il avait un caractère. Il donnait tout pour son cavalier. Pour vous? Oui, parce que c'est vous. Non, mais c'était. J'ai vécu 29 ans avec lui. Il est arrivé. J'ai acheté ma propriété en 94. Il est arrivé avec moi sur les lieux. Et il est mort à 31 ans, le 14 février. Même quand je reparle encore maintenant, je pense qu'on va tous pleurer. Une certaine reconnaissance. Je crois savoir aussi que c'était un cheval qui était assez particulier dans le caractère, pas toujours facile avec les autres. Je crois avec vous plutôt, lui aussi reconnaissant sans doute de aussi ce que vous avez pu lui apporter. Comment est-ce qu'il était? Parce qu'on nous a quand même beaucoup dit que Diamant était très difficile. Il était spécial, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas commettre de faute. À cheval, on pouvait faire plein de choses. Ouais. À pied, on avait quand même, il y avait un code, il y avait une règle à respecter. Au fil du temps, j'ai appris à le connaître. C'est pour ça que moi, je l'ai. Il était impressionnant, mais je l'ai. Comment je peux vous expliquer? Je ne le craignais pas. J'avais une confiance en lui qui était inouïe. Bon, il m'a fait quelques petits tours aussi. Mais on se respectait énormément l'un et l'autre. Et c'était. C'était un cheval d'une intelligence rare, parce que je me souviens d'une compétition à Caen. Quand on l'embêtait pas ou quand on le cherchait pas, c'était un cheval sans problème. Et ce jour-là, au paddock, il y avait un étalon étranger. À chaque fois qu'il le croisait, l'hôte était désagréable. Et puis, je pars à la reconnaissance et je dis à mon groupe, tu fais très attention au cheval à ce cheval-là, parce que ça passe pas. Ça passe pas et je crains qu'il se passe passer quelque chose. Donc, j'ai fait très attention. Je préviens le cavalier. Je lui dis, n'approche pas de mon cheval. Le tien est un peu. Il n'a pas l'air d'être très malin. Mais le mien est beaucoup plus malin que le tien. Il ne fait pas attention. Et je patiente en début de l'épreuve, donc je fais ma reconnaissance vite fait, je reviens. Et entre-temps, le cavalier avait le numéro 1, moi j'avais le numéro 3. Et bien, il passe à côté de Diamant. Comme s'il était anodin. Il s'est jeté sur lui. Mais il s'est jeté d'une façon maîtrisée. Il a attrapé au garrot. Il a mis l'hôte à genoux, et lorsqu'il s'est mis à genoux, il a attendu un petit peu, le cavalier était sur le dos quand même. Il a serré le garrot, et lorsque l'hôte s'est mis à genoux, il a attendu un peu, il a lâché et il s'est reculé. En lui disant, tu vois maintenant, ici c'est moi le patron. Et mais j'ai plein de choses, j'ai des histoires comme ça, mais une fois à la maison, j'avais un étalon qui était à la douche. Ça, c'était, il avait 7-8 ans, je passe derrière ce cheval, et il lui met une ruade. Il n'a rien dit, il s'est jeté dessus, mais comme un fauve. Il a couché le cheval, il a regardé, il n'a pas touché rien. Il s'est jeté dessus, l'autre s'est effondré, hop, il s'est reculé. C'était un dominant, voilà. Un dominant, force de caractère terrible. Mais c'était pas un cheval méchant, mais un dominant. Ça, c'est les chevaux qu'on rencontre aux États-Unis, les Mustangs, tous les étalons et les dominants. Bien, pourquoi il y a des dominants et des dominés? Bien, voilà, c'est, je veux pas dire c'est la loi du plus fort, mais il y a des chevaux qui sont comme ça. Vous vous êtes entraîné avec plusieurs personnes au cours de votre carrière, et notamment avec Bianca Maria, Nelson Pessoa, Josh Coombs. Ça fait partie de ces personnalités aussi qui, comme un cheval, vont marquer les sports équestres, l'histoire des sports équestres.
On a eu, nous, la chance de recevoir Nelson dans notre podcast et quelques-uns de ses élèves également. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces personnalités, de ce qu'elles vous ont apporté aussi? Vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé votre carrière avec donc votre papa qui n'était pas vraiment présent pour vous encadrer, il s'occupait plutôt de sa partie. Et comment ils ont réussi à influencer et à modéliser un petit peu l'avenir de votre carrière équestre? J'ai eu la chance d'avoir des bons chevaux qui m'ont permis de monter en équipe de France. Et à partir de là, j'ai rencontré Marcel Rosier, Daniel Bancamaria qui était l'entraîneur des juniors. Donc j'ai commencé à travailler avec lui parce que c'était l'entraîneur et que voilà. Mais si j'avais pas eu de bons chevaux, je ne serais jamais rentré dans l'équipe de France et je n'aurais jamais rencontré Daniel Bancamaria qui m'a apporté énormément. Et par la suite, j'ai commencé avec Diamant. Je sentais que j'avais un cheval exceptionnel, mais que j'avais besoin d'un petit truc, mais de quelque chose pour optimiser un petit peu notre couple. Et j'ai décidé de téléphoner à Nelson Pessoa, puis d'aller chez lui, partir quelques semaines. Et là, c'est vrai que ça m'a peut-être changé une partie de ma vie. À notre micro, Pedro Benis avait dit quand Nelson monte sur un cheval et qu'on passe derrière, on n'a plus le même cheval sous la selle. C'est vrai, c'est un magicien. Pourquoi on l'appelait le sorcier? Il y a une raison. Il m'avait monté Diamant, il avait sauté un peu avec, il m'a dit le jour où tu es malade et que tu veux arrêter de monter, tu peux m'appeler. C'est de toute façon, ce sont des gens qui... Nelson Pessoa, il a révolutionné l'équitation, peut-être planétaire. Et, les dernières décennies, c'était quand même la personne dans le milieu de l'entraînement et de la préparation des couples pour la compétition. Et j'ai travaillé... lorsque j'ai travaillé avec Nelson Pessoa, il y avait Joss Combs qui travaillait avec Neko. Avec qui j'ai travaillé, j'ai continué à travailler par la suite, et qui m'a apporté aussi énormément. Je la remettrai si tu veux la poser. Oui. Je la remettrai pas. Oui. J'avais une autre question qui suivait plus l'histoire de Diamant, c'est pour ça que voilà. Justement, pour rebondir sur ce que Lorelai vous a demandé, quand on rencontre un cheval aussi exceptionnel qui change la vie, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un piquet de chevaux? J'imagine qu'on est toujours en comparaison et on a du mal à atteindre des très bons chevaux, ça existe, vous le savez aussi bien que moi. Des chevaux exceptionnels, c'est plus rare. Comment est-ce que vous avez réussi aussi à monter tout en ne comparant pas vos chevaux à Diamant? On ne peut pas comparer Diamant avec un autre cheval. Donc il ne faut pas se dire, quand j'ai cherché un cheval ou quand je travaillais mes chevaux, je vais essayer de rechercher ce que j'ai sur Diamant. Non, Diamant, ça m'a énormément aidé dans la construction de ma vie comme cavalier et même dans le travail. Mais il ne faut pas essayer de rechercher mieux parce qu'on ne peut pas avoir. Donc il faut se faire une raison et il faut déjà être content de l'avoir. On vous l'avait dit tout à l'heure, en 2009, vous subissez un grave accident de la route. C'était un élément déclencheur qui vous a poussé à remplir des juments pour créer l'élevage. Ça a été aussi le moment qui a stoppé votre carrière sportive. Comment est-ce qu'on... Alors c'est un moment un peu douloureux sur lequel on revient, j'imagine, mais comment est-ce que l'on vit ce moment-là quand on est un sportif de très haut niveau, quand on est champion du monde et que tout s'arrête? Je vais être honnête avec vous, très mal. Quand on passe d'un état de super actif à légumes, on retrouve des valeurs que quelquefois on peut un petit peu délaisser. Je suis passé par des étapes difficiles, très difficiles. J'ai eu la chance de m'en sortir.
je pense qu'un monde pire ennemi, je ne souhaite pas. Vous avez investi le monde de l'élevage, vous avez pris le relais de vos parents aussi. Vous avez fait ce choix-là parce qu'il y a eu l'accident, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il fallait bien faire quelque chose. Comment vous avez fait justement, quelle philosophie vous aviez dans l'élevage? Est-ce que vous avez pris vraiment la continuité de l'élevage sémini que vos parents avaient créé? Est-ce que vous avez voulu y mettre votre propre idée, votre propre intérêt aussi? Comment la réflexion s'est construite en fait autour de la création de votre élevage? En fait, la création a été faite que lorsque j'étais chez mes parents, toutes les bonnes juments qu'on avait, on les a gardés pour l'élevage, mais c'est resté à semi. Moi, quand je me suis installé, je suis parti avec des chevaux de compétition. J'ai acheté une propriété, j'avais des hectares, j'avais une trentaine d'hectares, et puis je me suis dit, bien, il faut bien que je fasse quelque chose avec ça, donc j'ai bricolé un petit peu, j'avais quelques juments comme ça. Et puis, mais ça a été, je suis reparti à la base complètement. Et puis, une bonne douzaine d'années. Après les championnats du monde, les gains que j'avais gagnés à ce championnat, je suis parti à l'étranger m'acheter une ou deux bonnes juments, des juments qui me plaisaient, de concours. Et avec ces juments-là, j'ai tiré des embryons. Et c'était à la base de mon élevage. Okay. Je pense qu'on reparlera un peu de ça parce que justement, c'est un sujet assez actuel et on nous a demandé de vous en parler, donc on y reviendra. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système d'élevage? Parce que j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée. Jusqu'à 4 ans, vos chevaux sont délocalisés en Pologne, si je ne me trompe pas. C'est original, on ne le voit pas forcément beaucoup, surtout en Normandie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix et comment du coup se déroule le début de carrière de vos chevaux, des chevaux du Haras de Beaufour? Alors les chevaux du Haras de Beaufour sont élevés au Haras jusqu'à l'âge de 3 ans. D'accord. Et dans l'année de 3 ans, ils partent en Pologne pendant une dizaine de mois pour travailler. Mais pas pour faire du concours, seulement pour travailler. C'est une répétition de... Voilà, ils sont à l'école. Et puis, pourquoi la Pologne? Parce que j'ai pas trouvé en France le même profil, c'est-à-dire des gens... Je vais pas dire qu'en France, il n'y a pas de gens compétents, mais des gens... C'est pas facile lorsque vous mettez des chevaux chez des cavaliers et leur dites que vous ne voulez pas faire de concours. Je ne voulais pas qu'ils fassent de concours, je voulais qu'ils travaillent sur le plat. Donc les cavaliers en France, c'est pas tellement intéressant parce que ils ont besoin de faire tourner les écuries et leurs écuries. Et donc financièrement, c'est pas intéressant. Donc j'avais pas le choix. Déjà, je ne pouvais pas les garder chez moi parce que problème de personnel. Et j'ai eu cette opportunité à l'étranger, la Pologne, par l'intermédiaire d'un ami, et j'ai commencé il y a 6 ans. Et depuis, je mets tout mon élevage pendant un an. Pourquoi? Parce que je trouve que l'année de 4 ans, c'est une année qui est un petit peu délicate, dans le sens où vous avez des très bons chevaux qui sont encore en pleine croissance, qui sont en pleine évolution dans le travail. Et une année de 4 ans qui se passe mal suit la carrière d'un cheval. Donc, en cas de vente éventuelle par la suite, quand vous avez un cheval qui est sorti à 4 ans avec des mauvaises performances, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai décidé de faire un trait sur les compétitions à 4 ans. Comme ça, j'ai des chevaux qui arrivent à 5 ans, qui sont inédits. Et ils n'ont pas fait de compétition, mais ils ont un bon travail sur le plat et généralement ça se passe plutôt bien. D'accord. Est-ce que vous avez un schéma spécifique? Donc les chevaux travaillent sur le plat principalement et à la maison en tout cas à 3 ans, ils commencent de 3 à 4 ans, ils commencent la compétition à 5 ans. Comment vous produisez ces chevaux en fait? Quelle va être ensuite la suite de leur parcours? Comment vous allez décider de leur chemin de compétition, de leur niveau, de quand est-ce qu'ils vont faire des finales, pas des finales, toutes ces choses-là? C'est une question un petit peu délicate dans le sens où je fais beaucoup avec mon feeling.
J'ai des chevaux à 5 ans qui sautent très peu, il y en a d'autres qui font plus de concours. C'est souvent un petit peu comme je sens les chevaux. Et pour moi, une finale, c'est pas une finalité. Ce qu'il faut, c'est donner la chance à... Je veux donner une chance à tous les chevaux, en fait. J'ai quelques 3 ans qui sautent... j'ai pas honte de le dire, ordinaire. Ont une qualité de saut ordinaire, normale. Et avec le temps, il faut qu'ils terminent leur croissance, le travail. C'est des chevaux qui s'améliorent. Et quelquefois, et même assez souvent, ça fait des bons chevaux. Donc... moi, je ne suis pas assez capable, je prends de le dire, que dès à 3 ans, ça c'est un bon, ça c'est un mauvais. Celui qui peut le dire, bien, il est très fort. Moi, je peux pas me prononcer. Parce qu'il y a quelques années, je prenais des notes sur tous mes poulains, à 3 ans, et je les ressortais à 6 ans. J'étais à côté de la question, j'étais à côté de la plaque. Donc j'ai arrêté, parce que... ça m'a mis en erreur. Donc, je pense que avec l'élevage, la chose principale, c'est la patience. Et celui qui n'a pas de patience, il fait des erreurs. Alors, c'est une patience qui coûte cher parce que ça monopolise un gros nombre de chevaux. Mais je veux donner la chance à tous mes chevaux. Leur chance de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai commis quelques erreurs devant des chevaux un peu jeunes. Celui qui n'en fait pas, il n'est pas né, je pense. Tant mieux pour ceux qui les ont récupérés. Et puis je pense que c'est en plus pour l'éleveur valorisant de voir ses chevaux évoluer. J'ai un élevage qui est, je ne vais pas dire tardif, mais plus il va dans le temps, meilleur il est. Parce que le mot tardif, c'est un mot qui veut dire... qui est un peu négatif. Oui. Mmh. Donc, je sais que mes chevaux, à 7 ans, ils vont encore progresser. À 8 ans, ils ne sont pas encore en plein âge de la maturité pour faire les compétitions. Et c'est pour ça que j'ai des chevaux qui vieillissent. Plus ça va, mieux ils sont. Et j'ai appris avec le temps à prendre la patience. Et puis, il faut y croire dans ses chevaux. Celui qui ne croit pas dans ses chevaux, c'est comme le cavalier qui n'aime pas un cheval, il ne faut pas qu'il le monte. Ouais. Parce qu'il ne fait pas du bon travail. Patrick Kittel, le cavalier suédois de dressage, nous a confié, pas hier, mais avant-hier matin, qu'il ne se dit jamais qu'un cheval ne fera pas grand prix, parce que sinon on condamne le cheval à ne jamais faire grand prix. Il disait, si on part du principe que ce cheval-là n'a pas les compétences, on ne va pas investir les espoirs, le travail et l'optimisme, on va dire, qu'il faut, qui sont nécessaires aussi à ce cheval pour atteindre le niveau, et c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez. Complètement, c'est pour ça que je dis que je veux donner la chance à tout le monde, parce qu'il y a des chevaux à 4 ans qui sont normaux. Mais je pense, j'ai vu faire des choses quelquefois, ne serait-ce que quelques sauts. Je me suis dit pourquoi qu'ils ne peuvent pas le répéter. S'ils l'ont fait une fois ou deux, ils peuvent le répéter. C'est pour ça que je pense que la vision des chevaux, faut y croire. Ça, je pense que c'est un mot qui est très important dans l'élevage. Alors on prend bien sûr. On prend des bouillons parce qu'on croit sur. On y croit sur certains et puis ça n'arrive pas, mais au moins on aura donné une chance et moi j'ai rien à me reprocher. Vous nous avez dit un peu plus tôt que vous avez commencé l'élevage avec des transferts d'embryons. Vous êtes normand, on sait à quel point les normands sont attachés à l'élevage. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, de la tendance actuelle qui se développe énormément, qui est la vente d'embryons, le ICSI, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui va faire évoluer l'élevage français et international dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Eh bien, vous avez donné la réponse à votre question, c'est-à-dire que
On ne sait pas. En tout cas, pour moi, je ne sais pas, parce que je suis très content. C'est sûr. L'élevage, c'est un pari sur l'avenir. On prend des décisions, on prend des options de croisement. C'est que l'avenir qui nous dira si le choix était bon ou pas. Sur le nombre, et quelquefois ça marche et puis ça ne marche pas. Mais c'est l'évolution de la vie qui fait que, quand on voit maintenant les épreuves de Coupe du Monde, des 5 étoiles, la hauteur, la ténacité, la rapidité, faut imaginer des chevaux, et c'est là le plus dur, parce que faut essayer de mixer les talons avec la jument, et c'est pas facile, parce qu'on fait vite des erreurs, et on peut vite, comme on dit, mettre un élevage par terre en prenant des mauvaises décisions. Je pense aussi qu'il y a une grande part de chance. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui fait que pour amener un cheval au haut niveau, déjà, il faut le concevoir. Mais il faut qu'il soit bien nourri. Il faut qu'il lui arrive rien. Il faut qu'il soit bien débourré, bien travaillé, qu'il lui arrive rien, qu'il tombe dans les bonnes maisons. Il y a tellement de paramètres qui rentrent que je pense que si Diamant était tombé sur un écurie, peut-être qu'il aurait fait la même chose, je ne sais pas. Mais il faut juste en tirer des conclusions en disant si j'avais fait ça, ou ça, ou si j'avais pris différentes directions, qu'est-ce qui pouvait m'arriver ? Et à partir de là, l'élevage est une remise en question quotidienne. Dans l'hiver, je vais commencer à faire sauter mon élevage. Et à partir de là, je vais commencer à me dire, bon, voilà, j'ai pas assez de sang, j'ai trop léger, trop petit, trop grand, il me faut plus de galop, plus de taille. Donc, c'est une remise en question quotidienne, mais faut quand même laisser un petit peu la nature. Faut pas aller contre. J'ai rencontré un autre milieu qui est le milieu du trotteur, et j'ai appris beaucoup de choses avec les gens, la façon de travailler, la vision des choses, et ça m'aide aussi dans mon élevage, parce que dans les croisements, quand on fait nos croisements, c'est l'avenir qu'on fait dans les 10 prochaines années. Donc, faut pas se tromper. C'est exactement la question que j'allais vous poser. On a parlé de l'évolution du sport. Vous avez sans doute vu à quel point les parcours ont évolué, les chevaux ont évolué. Sachant que quand on fait un croisement, on le voit évoluer à haut niveau que, allez, 6-7 ans plus tard. Est-ce que vous avez une vision sur l'évolution du sport dans 5 à 10 ans? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin, plus haut, avec des meilleurs chevaux? Ou vous pensez, comme l'avait dit Grégory Baudot ou Eric Navet, je ne sais pas, oui, l'un ou l'autre, qui nous disait qu'on était arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Honnêtement, je suis d'accord. Ouais. Trouver, sauter plus haut, avant c'était 1m60, maintenant c'est 1m65. On va arriver à 1m70. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est pas qu'il faut arrêter, c'est qu'on ne peut plus. Donc, on produit des chevaux on essaye de produire des chevaux qui sont encore meilleurs, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Et je pense que là, on est quand même arrivé à un point, c'est du haut niveau, dans tout, hein, parce que quand je vois dans l'élevage français, il a énormément progressé.
Maintenant, les éleveurs, avant, c'était un petit peu comme... Les gens prenaient un petit peu la facilité, que maintenant les gens, les gros, quand je parle des éleveurs, même les amateurs, ils essayent tout le temps de croiser correctement pour déjà se faire plaisir avec un cheval, mais ils essayent tout le temps de réfléchir, et je pense qu'on est arrivé déjà à un niveau là, c'est difficile de faire... De faire mieux. Ouais, je pense. Vous nous disiez que vous aviez donc mis un pied dans le monde de la course, du trot, que vous aviez appris beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce modèle-là ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous anime dans le monde du trot ? Qu'est-ce que vous en avez aussi tiré comme enseignement, comme apprentissage qui vous aide à essayer de réinventer ou en tout cas de faire durer votre élevage de Beaufort axé CSO ? J'ai appris beaucoup dans les croisements. Donc là, dans la course, c'est différent parce que c'est une question de rapidité, de vitesse, de mouvement, de jambes et puis de... Mais dans le trot, ils sont en train d'évoluer vitesse grand V parce qu'ils sont, ils ont croisé leurs juments, nos juments françaises avec des trotteurs américains et ça a révolutionné l'élevage du trot en France. Par rapport à nous on a déjà fait ce croisement là il y a déjà une vingtaine d'années. Eux ils l'ont fait il y a pareil une vingtaine d'années, mais c'était quelques personnes qui a fait ça, une ou deux personnes. Que dans le CSO c'est tout le monde, donc on a avancé un petit peu plus vite, mais je vois dans le trot ils sont arrivés maintenant à faire des performances sur des 2 ans et 2-3 ans qui sont rarissime. Ils sont arrivés à une qualité de chevaux dans le modèle, dans la rapidité des courses. C'est comme on dit, ça va de plus en plus vite. C'est impressionnant. Et eux, ils sont en pleine évolution dans les croisements parce que il y a eu des chevaux qui ont un petit peu révolutionné l'élevage du trot. Et il y a eu maintenant, c'est l'élevage trotteur français est une référence sur la planète. Alors qu'il y a quelques années, nous étions avec les Italiens, les Suédois, les Américains. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé intelligemment, qui ont fait des croisements exceptionnels. Et puis il y a une production maintenant qui est incroyable. Et moi, j'aime ce milieu-là parce que déjà c'est un autre milieu. C'est quelque chose que je peux toucher aussi parce que j'aime bien driver, même si je ne le fais qu'à l'entraînement, mais c'est quelque chose qui me plaît. Et puis c'est différent. Il ne faut pas comparer les deux milieux, mais il y a du bon à prendre un petit peu partout, même dans les pur sang. Il y a du bon à prendre partout. Il faut... Ça peut que donner de bonnes idées ou de mauvaises si on sait mal les exploiter. Mais dans les croisements, je pense que c'est un atout. Vous avez fait naître un cheval du nom d'Élie de Beaufour qui évolue aux côtés de Jean-Michel Bazire actuellement. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce cheval-là ? J'ai lu dans un article sur Equidia qu'on pouvait comparer ce cheval à Diamant dans ce milieu-là. Est-ce qu'en effet, il vous permet aussi de vivre de nouveaux grands moments d'émotion, comme j'ai pu le lire à son sujet ? C'est vrai qu'il me fait vivre des moments assez exceptionnels, ce cheval. Sauf que la différence, Diamant, on l'a laissé étalon. Que lui, on a dû le castrer parce qu'il était difficilement exploitable. Oui. Et c'était un choix que nous avons pris à ce moment-là. C'est sûr que maintenant, il n'y a pas de regret parce que je pense qu'Étalon, il aurait peut-être pas eu une carrière comme elle a eu actuellement. Mais c'est pareil, je suis arrivé dans le monde du trot il y a 10 ans à peu près, de faire naître un cheval comme celui-ci, bon, bien c'est... Il y avait des hôtes avant qui étaient bien, des frères, des demi-frères.
compter des bons chevaux, mais celui-ci fait quand même partie des meilleurs trotteurs hongres français à l'heure actuelle. Et voilà, ça a été aussi pour moi, je l'ai en copropriété avec un ami qui m'avait vendu la jument. Et honnêtement, là, c'est un peu un rêve que je vis parce que au bout de 10 ans, sortir un cheval.